Si A, B et C sont les centres de ces trois cercles qui sont tangents 2 à 2, ici et ici et ici, l'angle ACB, 90 degrés, l'angle ABC, 60 degrés, et on connaît que BC égale 6 cm. Déterminer l'aire de la surface coloriée, celle-ci qui est coincée entre les trois cercles. Bien, voilà le problème. Alors, comment trouver l'aire coincée ici entre les trois cercles? Bonne question. Qu'on dirait quelqu'un, comment trouver cette aire? Peut-être que vous avez une idée. Une aire. On n'a pas une formule pour ce drôle d'aire. Hein? On n'en a pas. Mais qu'est-ce que vous voyez? Cette aire, cette surface est coincée. Elle est coincée. Elle est coincée. On dirait un slip. Allez, sérieusement, elle est coincée entre ces trois secteurs, celui-ci, celui-ci et celui-ci, ce qu'on appelle des secteurs de cercle. Alors, est-ce qu'on pourrait calculer l'aire de ces trois secteurs? Et bien sûr, calculer l'aire de ce triangle. Oui, et après, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, vous avez trouvé, on va soustraire les trois aires de la grande aire. Voilà, ça ne manque pas d'air cet exercice. Alors, on y va. Comment calculer l'aire de ce triangle? Triangle ABC. A, B, C. A, B, C. J'appuie qu'on voit mieux. ABC. Bon, on connaît BC qui est 6, et on ne connaît pas la hauteur. Il faut qu'on introduise une inconnue. Décidé. Alors, je vais noter le rayon du petit cercle. C'est un choix à faire avec X. Donc, ce petit rayon, je vais noter X. On va voir si on peut écrire une équation avec. Si ce rayon est petit x, ce qui reste pour ce rayon jusqu'à 6, c'est 6 moins x. Tout le monde suit? Je répète, ce rayon x, l'autre 6 moins x. Au total, ça fait 6. Bien. Mais alors, si ce rayon est 6 moins x, l'autre, c'est égal à 6 moins x. C'est le même. Et comme j'ai dit que AB, est-ce que j'ai dit ou pas? AB égale combien? Vous pouvez savoir, attention, ici à 60 degrés, ici il reste 30 degrés. Le côté opposé de l'angle de 30 degrés, c'est la moitié de l'hypoténuse. Tout le monde sait depuis la quatrième. Autrement dit, AB, ça fait 12. AB égale 12 cm. Bien sûr. AB 12, BC 6. Si ça, c'est 6 moins x. Ce qui reste jusqu'à 12, c'est 6 plus x. Vérifiez, 6 plus x plus 6 moins x, ça fait 12. Ce rayon, le grand rayon, c'est 6 plus x. Alors le grand rayon ici, c'est 6 plus x. Et ce petit rayon, je l'appelle, c'est comme ici, c'est x. J'ai garni tout le triangle ABC avec des x. C'est drôle, non? Oui, mais ce triangle ABC, il est rectangle. Donc, le théorème de Pythagore est vérifié. Et si j'écris le théorème de Pythagore, est-ce que je ne trouverai pas x? J'espère bien. Alors, on y va. L'hypoténuse au carré, 12 au carré, est égal. Ce côté au carré, 6 au carré, plus l'autre côté au carré, c'est combien? L'autre côté, c'est 6 plus x plus x. 6 plus 2x au carré. Bien.
J'ai écrit le théorème de Pythagore. Bien sûr, c'est une équation facile de laquelle je vais trouver x. 12 au carré, c'est 144. 6 au carré, c'est 36. Plus, ici, je ne développe pas. Je ne me complique pas pour l'instant. 144 moins 36, ça fait 108. 108 est égal donc à 6 plus 2x au carré. Du coup, 6 plus 2x, c'est rien d'autre que la racine carrée de 108. Racine carrée de 108, que je pourrais bien sûr simplifier, est égal racine de 108. 108, c'est 36 fois 3, comme tout le monde connaît. Donc, égale 6 racine de 3. 2x plus 6 égale 6 racine de 3. X plus 3 égale 3 racine de 3. Je divisais par 2, les deux membres. X égale à 3 racine de 3 moins 3. Voilà combien ça vaut x, c'est-à-dire le rayon de tout petit cercle. Du coup, j'ai le rayon des deux autres cercles que je peux calculer en fonction de x. On y va. Combien ça fait 6 moins x? C'est-à-dire ce rayon, ça fait 6 moins ça, c'est-à-dire moins 3 racine de 3 plus 3, qui est égal à 9 moins 3 racine de 3. Et l'autre rayon, 6 plus x, égale 3 racine de 3 moins 3 plus 6 et plus 3. J'ai donc les rayons des trois cercles, du petit, du moyen ou du très grand. Maintenant, il reste à calculer les aires de ces trois secteurs et bien sûr l'aire du grand triangle. D'abord, on calcule l'aire du grand triangle. L'aire du triangle ABC est égal BC fois AC. Base fois hauteur divisé par 2, la base c'est 6, fois la hauteur c'est 6 plus 2x, 6 plus 2, x je rappelle que x est 3 racine de 3 moins 3, je développe, je réduis, ça me fait 6 racine de 3, 6 racine de 3 sur 2, qui est égal à 18 racine de 3, centimètres carrés. Alors, pour l'aire du petit secteur, celui-ci, je signale que ce secteur, c'est un quart du cercle. Donc, R du petit secteur, R1, est égal pi fois le rayon, qui est x, c'est-à-dire 3 racine de 3 moins 3 au carré, sur 4, pi r carré sur 4. A2, c'est-à-dire l'aire de ce secteur, 60 degrés, mais quelle partie 60 de 360? Un sixième. Donc un sixième, pi sur 6 fois, le rayon c'est qui? C'est 6 moins x. Donc 6 moins x qui est toujours 3 racine de 3 moins 3. 3 racine de 3 moins 3, avec le moins devant, ça fait moins 3 racine de 3 plus 3. Et quelle est l'aire du troisième secteur? Celui-ci. 330 degrés, c'est quelle partie du cercle? Mais 60, c'est un sixième. 30 degrés, c'est un douzième. Un deuxième, pi fois 6 plus x, 6 plus 3 racine de 3 moins 3 au carré. Voilà. Bien. Alors, pour ne pas vous perdre dans les calculs que je vais laisser faire, il serait bien qu'ici, multiplié en haut et en bas, que ça devienne 12 en bas. Ici, que ça devienne 12. Et ici, c'est 12. Comme ça, on peut mettre pi sur 12 en facteur. Je vous laisse effectuer les calculs. N'oubliez pas de développer a moins b au carré. Attention à la formule. Ici, a moins b au carré, a moins b au carré. Après, bien sûr, réduction ici. Et attention, les racines carrées de côté et les autres sans racines de l'autre côté.
Alors, vous avez trouvé A1 égale pi sur 12, facteur de 108 moins 54 racine de 3. A1, c'est ça. Est-ce que vous trouvez A2 qui est égal à pi sur 12, facteur de 216 moins 108 racine de 3. Et si vous avez trouvé A3 égale combien pi sur 12, facteur de 36 plus 18 racine de 3. Ça, c'est la première étape. Trouver les trois secteurs, les aires des trois secteurs. Et maintenant, on n'avait qu'à soustraire de l'aire du triangle la somme de ces trois aires des secteurs. Alors, vous avez réussi? Allez, que je vous aide un peu. 108 plus 216 plus 36. Ça fait bien sûr 360. Moins 54, moins 108. Ça fait moins 62 plus 18, moins 144, racine de 3. Ça, c'est le résultat de la grosse parenthèse. Moins pi sur 12 et 18 racine de 3. Évidemment, 12 divise 360 et 144, qui est égal donc à 18 racine de 3, moins pi, facteur 360 divisé par 12, ça nous fait 3. 144 divisé par 12, ça me fait 12, racine de 3. Et voilà le résultat exact en centimètres carrés de notre aire colorée. Bien sûr, valeur approximative, on peut trouver en appuyant sur la calculatrice, mais ceci n'est pas notre intérêt.